lisse. Ils ont pas besoin de le voir, les gens, les couilles lisses. Attends. Attends. Non, ils sont pas au point, hein. C'est pas bon. Hein. Mais quelle malheur. Ils ont le cul, mais ils ont pas le i, tu sais. C'est ça. Ils ont pas le. Oh non, quelle malheur. Attends, je cherche la sortie. Mais cherche l'entrée, surtout déjà. Tous les rideaux qui t'ont mis. Attends, j'ai découpé un morceau pour le bar. Attends, bouge pas. Attends, non. Allô, un ciseau. Attends, j'ai mis la sortie. C'est bon. Alex, passe bon. Le micro, c'est bon. C'est bon. Mais allume le micro. Allume mon micro. Il est allumé le micro, hein. Ok, malheur. Attends, j'arrive. Tu es sourde? Attends, je fais une sortie discrète. Attends, que les gens ne me voyaient pas. Mais où est-ce qu'elle est, l'intérimière? Attends, mais coupe la musique. Attends, je monte sur la scène qui me voit. Ah, j'avais pas compris. Attends, je monte. Attends, mais j'y vois un beignet là, mets-moi la lumière sur la. J'y vois rien et il ne marche. Ok, ma lure. Attends, que je me pose, qui me voit le chat. Voilà. Vas-y, mets les espots, que j'y vois rien là. Toi, nous! Mets les espots! Allume un peu la salle que j'y vois un beignet. Attends, je t'allume, tout seul. Attends. Ok, ma lure. Bonsoir. Mais il y a du monde, viens, ça va, tout le monde y va bien? Oui. Eh ben, ils ont l'air endormis. Ça va, tout le monde va bien? Oui. Ok, ma lure, ils sont moulons ce soir, hein? Est-ce que c'est de Marseille, là? Oui. Il y en a quatre de Marseille, apparemment. Eh bien, quelle malheur. Excusez-moi, messieurs, dames, j'arrive un peu comme un cheval sur la soupe, tu sais. Mais il m'avait dit ce soir, il y a une soirée, tu sais. Et alors, je me suis dit, allez, on va venir dire deux, trois cagades, tu sais. Et oui. Je vois que vous avez l'air très réveillé. Hein. Ça va bien? Oui. Il nous a posé la table des questions à la colle, celui-là. Quand même, non. Vous savez qui je suis au moins? Mado. Ah ben, il y en a trois qui me connaissent. Mais... Vous n'avez pas la télé à la maison? La télé? Comme le micro-ondes, mais ça la poignée. Vous ne voulez pas? Souvent, je parle chez Sébastien. Vous ne voulez pas, Sébastien? Le cabaret! Eh ben voilà, mais ce soir, oui, je suis au cabaret à Lister. C'est pareil. Ah, entre nous, il y a mieux le cabaret ici que chez Sébastien, hein, non? Oui. On va la refaire bien fort. Ils sont pas motivés, hein, quand même. Ah non, ils sont pas trop motivés. Moi, je me suis dit qu'il va y avoir une ambiance de folie. J'aurais mieux fait de rester à Nice, mais pas qu'à Nice, tu sais. Ils bougent que quand il y a un tremblement de terre. Alors ça fait un moulin qu'ils n'ont pas bougé. Hein. Écoute le coup. La semaine dernière, tu sais, j'ai ma grande amie Muriel qui m'appelle. Où elle est Muriel d'ailleurs? Je vois un beignet. Muriel, lève la main, je te vois. Ah, mais levez pas tout sa main, que Muriel. Où elle est? Et alors, qui me lève la main? Où elle est? Je ne vois pas. Ah voilà, c'est bon, arrêtez, je l'ai vu. C'est bon. Oui, c'est bon. C'est toi, nous, à la régie, c'est mon fils. Le seul permis qu'il a réussi, c'est un permis de circonstance. Bon, bref, c'est pas grave. Ah, là, je vois mieux, là. Ça va. Mais les dents partout, quoi, j'y vois plus rien. J'ai plus les espoirs. Oh, qui est mal. C'est parce qu'il a le cul, il a pas le i. Voilà. Non, touche plus. Voilà, bouge pas. Laisse comme. Oh, qui est mal. Ah, faut que je le finisse, le spectacle, toi, nous. Voilà, bouge plus. Pardon. Bouge. Lui, il aimait les lumières, mais c'est pas une lumière, hein. Bah, écoute le coup, tu sais. Muriel lui dit, bébé, c'est l'anniversaire de mon mari, tu sais. Il fête, c'est. Ok. Quand j'ai entendu, j'ai dit non, Muriel, tu oublies, ce soir, il fête deux fois ses 25 ans. Ouais. Donc, on va s'amuser un peu plus. Ouais. On va s'amuser à répéter le rire, tu sais. Oh, la musique. Tu veux pas venir dire deux, trois cagades sur scène, tu sais. Moi sur scène, tu sais, oh là là, moi je suis très discret dans la vie de tous les jours, hein. Moi c'est un trou de souris, je me mets dedans, hein. Le problème c'est que les trous de souris, il n'a pas tout le temps, hein. Mais bon, vire, tourne, c'est pas grave, tu sais. Alors spécialement pour ce soir, c'est un peu la surprise, tu sais, oui Patrick, lève la main, Patrick, je te vole. Oh là, ça y est, je l'ai repéré, bouge pas, reste assis là, hein, bouge pas, hein. Alors spécialement pour toi, Patrick, tu sais, j'ai mis dessous la vie de Chauve Beans. Oui, la vie de Chauve Beans. Alors si vous voulez, je vous le montre, si vous voulez. Volontiers. Alors attention. Pa-pa-pa-pa-pa-pa. Attendez, j'ai mis la bouche de l'autre côté. Pa-pa-pa-pa-pa-pa. Attention, pour la mettre, ça va, c'est pour sortir que c'est plus difficile. Hein. Nana, qu'est-ce qu'il y a? Non, elle n'est pas boudinante. Qu'est-ce qu'elle dit que c'était moi la plus belle? Ah, bah non. Ah non, je suis belle. Tout à l'heure, il y a Madame Safati, quand même, on voit la différence, non? Oui. Il y en a deux qui suivent. Oui, c'est pas grave. Non, c'est une belle surprise, Patrick, ou pas? Oui. Patrick, il est en Patrick, oui. Ça va, voilà. Patrick, il est un peu comme moi, tu sais, les surprises, vire, retourne, on connaît toujours un peu...
Je ne peux pas les surprises, tu sais. Mais moi, les surprises, tu sais, j'ai jamais vraiment eu de chance avec les surprises. Quand je regarde mon mariage, tu sais, avec mon mari Albert. Bon, remarque, c'était il y a 30 ans en arrière, tu sais. Il était là encore avec sa belle petite voix. Mais la lume, oh, toi, nous. Il est compagnon bénit. Si tu me fais ça pour le spectacle, je vais y arriver. Hein. Les économies. Ah ouais, non, mais les économies, mais laisse-moi le temps de le faire, le spectacle. On fera les économies après. Je découvre le studio, tu vois. Je, ah, tu découvres le studio. Pas. Parce que les seuls studios qu'il a vu dans sa vie, c'était les magazines, tu sais. Là, il découvre, c'est la première fois. Il en a eu pendant son adolescence et des boutons. Alors là, il a tellement qu'il n'a plus le cœur percé, tu sais. Bon, écoute le coup, tu sais. Alors, la surprise de mon mariage, ok, ma vieille. Albert, tu sais, 30 ans en arrière, il avait encore sa voix aiguë, tu sais. Alors, il voulait me demander ça, sa déclaration de mariage, tu sais. Madou, Madou, Madou. C'est bon, tiens, bon pour le prénom, continue, développe. Hein. Madou, Madou. Ok, voix aiguë. Madou. Il a tellement la voix aiguë qu'il m'a fait une diarrhée aiguë. Il s'est tellement fait chier pour me faire la déclaration, tu sais. Oh non. Moi qui avais toujours rêvé, tu sais, d'une déclaration à la prince et à la princesse, tu sais. Remarque, j'étais pas loin, hein. Parce que c'était moi qui étais à genoux, c'était lui qui était sur le trône. Oh non, je vous dirai qu'à rien.